Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en cette nouvelle année. Oui, puisque logiquement, d'après mes calculs, nous sommes déjà en 2020. Dingue, c'est dingue comme cette année est passée vite. Une merveilleuse année en 2019 puisque j'ai eu mon fils. Donc là, une nouvelle année commence avec plein de nouvelles choses. Je ne suis pas enceinte, je précise. Plein de nouvelles choses dans d'autres domaines. J'espère que vous, tout s'est bien passé pour vous en ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez profité quand même de vos proches ou pas, hein, pas forcément, mais que vous avez profité quand même de vos amis, que vous avez. Donc je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2020, plein de bonnes choses, plein de merveilles pour vous, les sous, la santé, tout ça bien sûr, parce que la santé reste quand même le plus important. Si on a la santé, logiquement tout va à peu près bien dans notre vie. En tout cas. On est mieux parti dans la vie pour aller mieux. Bref, le petit make-up que vous retrouvez ici, logiquement vous l'avez vu dimanche dernier dans la vidéo calendrier de l'Avent, les derniers cadeaux avec Ella. Donc je vous invite à aller découvrir le petit make-up si vous voulez voir un peu ce que j'ai utilisé. Mais je suis plutôt fan de ce petit résultat-là. Donc je commence à m'améliorer avec le make-up, je commence à m'améliorer. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu les petites merveilles que j'avais trouvées ces derniers temps chez Kruidvat, sur le site Beauté Privée parce que j'ai fait une commande qui est arrivée super méga vite, extraordinaire, et sur chez Noz. Oui, j'ai trouvé des merveilles chez Noz. Donc on commence l'année avec une vidéo haul. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est un bon début. Après, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus structurées. J'espère qu'en tout cas, mon nouveau fond vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça en vidéo, enfin en commentaire comme d'habitude. On va commencer par Kruidvat, j'ai trouvé cette merveille. Je l'avais testée en miniature grâce à une abonnée Mylène, et là, chez Kruidvat, je suis tombée dessus par hasard. C'est de la marque Trickle Moon, et c'est le Brazilian Love, et mon Dieu, il sent la même odeur que le Sol de Janeiro de chez Sephora, le fameux beurre pour le corps que j'adore. Donc forcément, gel douche plus beurre pour le corps, j'ai déjà le beurre pour le corps en stock. Du coup, je me suis acheté, voilà, le petit gel douche pour aller avec, même si c'est pas la même marque, ça va très 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 bien ensemble. J'ai acheté pas mal de choses chez Kruidvat, mais c'est pas pour moi. Oui, donc j'ai craqué pour ce soin pour les cheveux à la kératine, Repair Kératine, cure réparatrice comme ça. Donc pour les cheveux abîmés de chez Kruidvat, donc c'est un soin qu'on met pour avoir des jolies boucles, pour avoir le cheveu hydraté mais qui ne se rince pas. Donc ça, j'aime bien ce genre de produit-là, en plus il faut la comprendre, donc je trouve ça très très bien. Et avec, j'ai pris un petit mascara qui était en promo à 2,50€, c'est le Lash Princess Waterproof. Il paraît qu'il est plutôt bien ce mascara pour avoir des longs cils et tout ça, donc je testerai parce que je le connais pas. Et toujours de la marque Essence. À cause d'Ella, oui, encore une fois, cette Ella est toujours là. Elle avait craqué sur cette palette-là et je l'ai trouvée donc par hasard dans mon Kruidvat. Donc je me suis dit, tiens, 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 c'est plutôt pas mal. C'est une palette comme ça qui s'appelle Be Royal Not Cute. Il y avait deux palettes comme ça dans le même style, hein, avec des packagings très Noël, là, comme ça, très fêtes. Et il y en avait une un peu plus dans les nudes marronnés et celle-ci dans les tons rose, rosé, nude rosé. Et la pigmentation avait l'air d'être au rendez-vous, selon Ella. Donc on va re-swatcher ça ensemble. Je vais prendre un petit mat comme ça. Alors ça a l'air poudreux quand même, hein, mais bon, les produits essence sont quand même poudreux mais bien pigmentés. Et puis je vais prendre des couleurs un peu. Ah oui, ils sont crémeux, dis donc. Ouh, je suis épatée, je suis épatée. Ah ouais, ils sont ultra crémeux. Bon, ils sont poudreux, mais ils sont ultra crémeux. Elle rigolait pas, Ella. Donc là, le mat, et là, on dirait des sortes de métallisés, quoi. Elles sont ultra, ultra crémeux. Oh là là, je suis contente de mon achat. En plus, il coûtait que 9 euros ce produit-là. Et il y avait une ristourne de 3 euros. Donc, elle m'a coûté à peine 7 euros, c'est ça? Ou 5, 6 euros. Enfin, vraiment pas grand-chose. Donc, je suis conquise. Il y a 18 fards à paupières à l'intérieur. Et ils ont l'air vraiment très crémeux. Ensuite, chez Noz, j'ai trouvé plein, plein de merveilles à même pas 49 centimes, 85 centimes. Je crois que le truc qui m'a coûté le plus cher, c'est 1,19 €. Que des choses de la marque P2. Donc sur mes ongles d'ailleurs, celui-ci c'est un petit vernis de la marque P2 que j'aime beaucoup, que Lily Muse m'a offert. Et du coup, ben, j'ai vu qu'il y en avait plein là dans mon nose, donc j'ai craqué. J'en ai pris 4 différents, une espèce de violine comme ça, très beau, qui ira très bien justement avec ce top coat là. Je pense que ça sera un très beau duo comme ça, c'est le 020 Business Woman. Ensuite, j'ai pris un noir parce que j'en ai pas, c'est le 500 Eternal. Un blanc un peu irisé, je pense. Moi, j'aime bien les blancs, donc je verrai comment il est. C'est le 010 Workout with Vicky.
Et pour finir, une sorte de chromé, un espèce de métallisé comme ça, qui est un petit peu vert, mais argenté, je pense, hein. C'est le 130 Skylight. Voilà, j'ai craqué à 85 centimes, je trouve que ça valait le coup. J'ai pris deux anti-cernes de la marque, donc P2 à 1,19€. J'ai pris la teinte 25 Perfect Sand et 15 Perfect Nude, qui me paraissent plutôt bien. Donc, alors je les ai bien nettoyés parce que faut avouer que dans mon nose, ils étaient complètement dégueulasses. Ils étaient remplis de produits très sales, donc j'ai bien enlevé toutes les étiquettes, j'ai bien nettoyé, honnêtement, c'est parfait. Et pour 1,19€, ça valait le coup. J'ai pris une sorte de gloss comme ça, waterproof, volume Révolution P2, c'est la teinte 080 Fire Sparkle. Et honnêtement, la pigmentation est là. Il y en avait un plus clair, mais la couleur me plaisait pas. Je pense que ça m'allait pas au teint, qui était trop trop clair, un pêche vraiment très clair. Mais celui-ci, le violine un peu comme ça, est très très beau. Étant donné qu'en ce moment je suis dans ma folie fossile, hein, j'ai pris des petits fossiles comme ça à 99 centimes. Comme ça, vous les voyez bien. Je sais pas du tout ce que ça rendra, hein. On peut les couper, bien sûr, pour les mettre à la taille de nos cils. Et regardez, hein, vous voyez là l'état du packaging. Donc, tous les autres produits étaient comme ça, hein, c'est pour vous dire. Ensuite, au niveau lèvres, on va rester dans les lèvres. J'ai pris 4 rouges à lèvres P2, comme ça. Ils se présentent comme ça, les rouges à lèvres P2. Au niveau packaging, c'est assez simple. Bon, pareil, je les ai bien nettoyés. Et j'ai pris 4 couleurs, hein, différentes à peu près. Du violet, du nude et un petit marronné. Donc, les voici. Alors j'ai réussi à tomber sur des couleurs qui n'étaient pas trop utilisées ou qui avaient été juste abîmées mais pas forcément swatchées. Donc là le marron, c'est pas un marron très foncé, tiens. Le 170, je pensais qu'il était plus foncé. Ensuite il y a le 180, je vais vous les montrer après tous les swatchs, hein. Le 180 qui est une sorte de marron un petit peu aubergine. Ah, je suis un peu déçue parce qu'ils ont l'air un peu crémeux mais pas forcément ultra pigmentés. On a le 100, voilà, le 100, qui est un petit violet mauve, là, comme ça, très léger. Et le 120, qui est un violet, logiquement, un peu plus foncé, on va voir ça. Donc, je vous les ai fait dans l'ordre. Bon, on verra après sur les lèvres. C'est pas une pigmentation de fou, mais c'est un choix de couleur un peu sympa, comme ça. Donc là, vous avez vraiment les quatre. Donc, le marron un petit peu aubergine, un violet plus clair, là, et le dernier, un violine un petit peu plus. Vous voyez, ils sont crémeux, mais ils sont pas ultra opaques. Pourtant, ils sont censés être mats. Donc, au moins, c'est des mats crémeux. Donc, c'est pas mal. Et je pense qu'ils doivent être crémeux à mettre sur les lèvres. Et après, ils font cet effet mat quand ça sèche. Je pense, ouais, je pense. Mais ils sont pas mal, hein, pour combien ils étaient? 99 centimes, ceux-là. J'ai acheté aussi donc pour 49 centimes 4 crayons pour les yeux comme ça et je suis trop contente parce que c'est le genre de couleur que j'ai pas trop dans mes couleurs à la maison. Donc il y a le 0, le 20, le 20, le blanc là, un espèce de joli vert comme ça, le 230, le beige 180, le 242, l'espèce de bleu là un petit peu métallisé et le 241, le marron. Je vous swatch ça et je vous montre. Ils sont super gras à utiliser et je les trouve très très sympas. Et ouais, je suis plutôt contente quoi. Pour 49 centimes, ça valait clairement le coup. On voit bien les couleurs et ils sont très crémeux quand on les glisse comme ça là, pas du tout sec. Alors j'en ai trouvé trois autres comme ça de la marque P2 toujours. Hein. De toute façon, j'ai pris que des choses de la marque P2. Celui-là, je crois qu'ils étaient à 69 centimes. Celui du bas, il est pour les lèvres, hein, c'est une sorte d'aubergine. Et après, les deux duos sont pour les yeux. Un bleu un petit peu métallisé, un gris. Donc les voici. Et je suis contente encore une fois parce que j'ai trouvé voilà des crayons pour les yeux un peu différents. Et puis cette aubergine, j'en ai pas forcément beaucoup de crayons aubergine pour les lèvres, donc je suis contente. Et pour finir, j'ai pris deux liners, un liner marron qui est super bien pigmenté, je suis super étonnée, en plus la mine elle est trop agréable. Et un liner un peu argenté, métallisé, qui est le Chromatic Liner, donc le 20 Silver. Et alors il est un peu dur à ouvrir. Hein. Et pareil, je crois qu'ils étaient à 1,19, c'est... Voilà, il a une mine comme ça. Alors, je suis pas fan du pinceau, mais même juste pour voilà mettre par-dessus un fard à paupières un peu argenté ou un fard à paupières gris, ça peut être très joli pour faire un make-up un peu plus festif. Donc, voilà, je suis contente de mes trouvailles chez Nose. On continue avec un petit achat chez Birchbox à cause de la soirée Gold. Je vous remettrai ici ma vidéo Gold, soirée Gold, etc. On m'a fait sentir ce parfum-là de chez Lancôme, la nuit de trésor à la folie, et ils sont trop 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 bons. Sur le site Birchbox, c'était moins cher que sur le site Sephora, et en plus de ça, j'avais 30 euros de réduction, donc bah, je l'ai acheté, et je l'aime tellement, c'est une odeur un petit peu sucrée, enfin vraiment très très agréable, allez le sentir en magasin, mais du coup je l'ai payé à peine 20 euros,
Même pas. Oui, 20 euros et c'est un 50 ml. Donc je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Pour finir, on va parler des produits que j'ai achetés sur le site Beauté Privée. Vous savez que là-bas, vous trouvez des petites merveilles à petit prix. Donc je vous mets à chaque fois le lien. De toute façon, il est sous toutes mes vidéos. Le lien Beauté Privée, vous avez 5 euros de réduction si vous passez par mon lien. Donc du coup j'ai craqué pour des produits de la marque Lavera puisque j'ai testé tout le make-up Lavera et j'ai bien aimé les make-up Lavera. Je vous mettrai ici ma vidéo crash test et du coup bah, j'ai décidé de prendre la crème de jour et la crème de nuit. Ils sont à quoi? Bio, donc cranberry et bio argan, donc à l'huile d'argan. Alors il y a écrit pour les peaux matures, tiens j'avais pas vu ça. Mais c'est pas grave, hein, je commence à me faire vieille. Donc je suis contente. Et toujours de la marque Lavera, j'ai pris un gel douche comme ça, la noix de coco. Lait de coco, pardon, et graines de chia bio. Et ils sont trop bons. Donc ça, j'ai déjà testé les produits Lavera à une époque, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, je suis trop contente de tester un, voilà, de me refaire une idée dessus. Et toujours de la marque Lavera, j'ai pris donc à l'algue bio et à l'huile d'olive un nettoyant pour un teint resplendissant de fraîcheur. Je sais pas ce que ça sent, tiens. Ça sent... Bon, après, c'est un nettoyant, donc c'est pas grave, ça reste pas l'odeur sur la peau. C'est pas une odeur de foufou, quoi. Mais, pour nettoyer, on verra bien si ça marche bien. Au niveau soin, j'ai pris une huile de coco pour les cheveux secs, dévitalisés et fragiles, ce qui est le cas de ma fille et de moi. J'ai pris une petite bouteille comme ça. Alors, le packaging n'est pas du tout pratique, mais bon, c'est de la marque Aster Happy... C'est quoi ce nom de marque? Fabriqué en France, en tout cas. Je sais pas trop exactement ce que c'est. Ah, Happy Oil Coconut. Donc voilà, vous trouvez ça sur le site Beauté Privée en tout cas. Hein. Des prix. Donc un petit parfum à la fleur de cerisier de chez Solinote. Ella m'en a offert, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite puisque Ella m'a offert des petits. Mais je suis trop contente, ils valent que 5 euros sur le site Beauté Privée. Et pour finir, j'ai pris des produits Nakomi puisque j'en ai entendu parler sur toutes les chaînes des copines. Elles se sont toutes offertes des produits Nakomi et je me suis dit, bon allez Karine, tu vas tester. Donc j'ai pris une sorte de body scrub, donc un exfoliant pour le corps comme ça. Il est au gâteau light coconut cake, donc je sais pas, je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais bon, il paraît que les odeurs sont très sympas. J'ai pas voulu prendre la crème pour le corps parce que je sais que Elodie de la chaîne Elodie Moitou a dit qu'elle l'aimait pas trop, donc j'ai pas pris. Mais voilà, j'ai pris l'exfoliant, j'ai pris l'hydratant coco pour, je crois, pour tout, hein. Pourquoi c'est ça? Ouais, c'est 100% coco, donc ça vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, sur le corps, voilà, c'est une sorte d'hydratant huileux. Et j'ai pris du savon noir, toujours de la marque Nakomi, parce que j'adore utiliser le savon noir. Donc voilà, de temps en temps, un petit savon noir avec un petit gant qui gratte bien là, ça fait du bien je trouve. Donc voilà, j'ai pris le savon noir, je vous en reparlerai de toute façon dans des vidéos produits terminés, parce que ça c'est le genre de produit soin que je vais utiliser très prochainement, et puis ben, on fera un bilan ensemble à ce moment là. J'espère que ce haul vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir comme d'habitude, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ces derniers temps, les petites dernières choses que vous avez trouvées. Je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut !